Chaque association va développer sa propre expertise et ses propres compétences en fonction du territoire. Alors, le rôle des associations territoriales dans la mission de Terre de Liens de préserver le foncier agricole, c'est d'être au plus proche des réalités de terrain, de créer du lien avec les acteurs du territoire, qu'ils soient paysans, citoyens, collectivités. Ça passe par la sensibilisation du public, ça passe aussi par l'accueil, l'accompagnement des candidats à l'installation qui cherchent du foncier. Et on accompagne aussi les collectivités qui nous sollicitent de plus en plus et qui, parce qu'elles cherchent à être autonomes sur le plan alimentaire. On a aussi de plus en plus de sollicitations de propriétaires, d'agriculteurs qui ont envie de transmettre leur ferme. Sur un territoire grand comme Rhône-Alpes, ce sont les bénévoles qui agissent parce que ce sont eux les mieux placés sur leur territoire. Ce sont eux qui ont la meilleure connaissance des acteurs locaux. Ils font le lien avec les partenaires impact, avec des structures comme la SAFER, avec les collectivités et les paysans. Et l'association, elle leur donne les moyens d'agir en leur proposant des formations, des journées d'échange, de partage d'expériences. C'est l'essence même du mouvement Terre de Liens, c'est de permettre à des citoyens, même s'ils ne sont pas issus du milieu agricole, de s'approprier les questions de foncier agricole. Les associations territoriales sont très proches des réalités de terrain et ça nous a permis de développer une expertise et de savoir répondre à énormément de situations différentes. Ici, on est sur la ferme de Huppy, c'est la première ferme Terre de Liens et c'est une des fermes qui sert aussi de modèle sur le territoire pour développer notre action et pour pouvoir acheter d'autres fermes par ailleurs. Étant donné que nos réalités sont très différentes d'un territoire à un autre, les associations territoriales échangent beaucoup sur leur façon de faire. On mutualise énormément nos compétences pour, à chaque nouvelle situation, aller chercher, si nous on ne sait pas y répondre, aller chercher chez les autres associations la façon d'y répondre. Et ça crée, on a pu développer des compétences et des connaissances qui permettent maintenant de répondre à chaque sollicitation, que ce soit de paysans, de collectivités ou de décideurs politiques en général. Oui, je pense vraiment que les associations territoriales ont développé des connaissances et des compétences qui font que sur la question du foncier agricole, on est devenu un acteur clé pour pouvoir agir au niveau national et que les décideurs politiques ont tout intérêt à nous consulter pour agir et pour aller de l'avant et pour aller au-delà de ce qu'on fait actuellement.